Dans mes cours, dans mes conférences ou encore dans mes interventions en entreprise, on me pose souvent la question, c'est quoi les nouvelles tendances ou les nouvelles recettes pour motiver les gens? Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les principes scientifiques qui expliquent comment augmenter les bons types de motivation et diminuer les mauvais types de motivation sont les mêmes pour tout le monde. Pour augmenter les bons types et diminuer les mauvais types de motivation, il faut satisfaire trois besoins psychologiques qui sont innés et universels. Le premier besoin, c'est le besoin d'autonomie, le besoin de se sentir libre d'initier puis de réguler ses actions, d'agir en conformité avec ses valeurs. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence, de se sentir efficace et efficient. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'affiliation sociale, d'avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances ou des nouvelles recettes? Oui, il y en a, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ça augmente la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale? C'est uniquement quand les interventions qu'on a qui augmentent ces besoins-là qu'on va augmenter la motivation au travail. Un autre élément qu'on observe souvent, c'est la différence entre les différents mots, les différentes étiquettes qu'on appose à la motivation. On va avoir des mots comme motivation, mobilisation, engagement, habilitation. Puis le commun des mortels se retrouve devant toutes ces étiquettes, devant ces étiquettes-là, et on se pose la question, c'est quoi la différence entre tout ça? Au niveau scientifique, on a des précisions qui, pour nous, sont très importantes, mais pour le commun des mortels, pour les gens en entreprise, c'est de relativement peu d'importance. Ce qu'il faut poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut stimuler? Invariablement, on va viser à augmenter la performance et diminuer les contre-performances, ainsi qu'à augmenter le bien-être et diminuer le mal-être des employés. Donc, peu importe l'étiquette qu'on appose, dans mon cas, j'utilise soit la motivation ou la passion au travail, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment stimuler? Lorsqu'on a en cible, lorsqu'on vise les éléments qu'on veut vraiment produire chez les employés, on va se rendre compte que l'étiquette qu'on appose au concept de motivation est relativement de peu d'importance. Pour finir, plus spécifiquement, on va souvent me poser la question, par exemple, comment motiver telle génération versus telle génération ou telle origine culturelle versus telle autre? Or, les principes scientifiques sous-jacents qui expliquent le fonctionnement optimal de tout être humain, peu importe le groupe auquel il appartient, sont les mêmes. Il faut veiller à satisfaire les besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. C'est vraiment les ingrédients spécifiques qui vont permettre de stimuler le fonctionnement optimal au travail.